Donc je pense que c'est bon, ok. Ok, c'est parti. Bon, salut à tous, c'est Kishnifu. Et aujourd'hui, vidéo particulière, puisque je suis, encore une fois, à deux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même personne, c'est mon cousin, Snow. Bonjour, Snow. Bon, bah, Snow, pour le moment, n'a pas trop envie de parler, et ceci est compréhensible. Mais, comme vous pouvez voir à l'écran, on se retrouve encore une fois sur Super Smash Bros. Brawl. Je vous ai fait l'Odyssée, je vous ai fait le test. Et là, maintenant, challenge. Donc c'est, on va dire que c'est un challenge que je me donne, donc d'essayer de le battre. Bon, alors, ça fait un moment qu'on n'a pas retouché au jeu, donc je pense que ça va être un petit peu difficile de s'y remettre. Surtout qu'on ne s'est pas entraîné avant. Hein. Alors, là, donc, j'explique ce qu'on va faire. On va faire un tournoi. Donc comme ça au moins on n'aura jamais les mêmes personnages et on verra bien comment on choisira. Donc on va pas traîner, allez c'est parti. Alors on s'est dit qu'on allait mettre 3 personnages. Comme ça au moins si jamais entre nous deux on n'a pas trop envie de se fighter, on pourra se battre contre un ordinateur, on se défoulera dessus, comme ça ferait du bien. Alors donc 3. On va pas trop en mettre, ça suffit. Ouais. Ouais allez ça suffit, donc 18. On va pas mettre de temps parce que ça c'est pourri. On va mettre les vies, on va s'en mettre 2 chacun. Ouais, ça c'est bien. Voilà, bon, à part ça. Et donc, on va. Ça servira à rien, mais on va quand même se choisir chacun un personnage. Et en fait, voilà, le but ce sera d'amener ce personnage le plus haut possible. Et donc, d'éviter de perdre avec lui très rapidement. Donc, moi, bien sûr, je prends Sonic. Tu veux qui toi? Donc avant, tu prenais Pikachu, parce que c'est vrai que Pikachu est un bon personnage. Comment on change la couleur déjà? Ah oui, 1, 2. Le blanc. Putain, bah tu vois, je savais même pas. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous dire un truc marrant, c'est que lui, il utilise la Wiimote. Bouh. Non mais c'est vrai, enfin, franchement je pensais pas, surtout qu'en plus lui, il a été habitué, enfin je sais pas, t'as été habitué avec la manette GameCube. Et pourtant, et ben en fait... Depuis un petit moment, il s'est mis avec la Wiimote. Et je pense qu'en fait, c'est simplement une habitude à prendre. Moi, ce qui me gênait un petit peu, c'était le fait de devoir appuyer en haut pour devoir sauter. Mais apparemment, tu me dis qu'avec le C, on peut appuyer. Bon, on peut sauter avec le C. Donc, allez. Alors, ok. C'est parti. Donc, le choix des circuits au hasard. Et commencer le tournoi. Alors, moi, oh putain, je commence direct. Alors là, j'ai pas intérêt à perdre. Et toi, t'es dans le prochain. Alors, ouais, ça fait chier parce que on pourra pas se retrouver tous les deux en finale, mais bon, c'est pas grave. Alors, on commence le tournoi. Je choisis qui, moi, là? Bah là, on verra. Alors, commencer. Bah, moi, je prends Sonic, en tout cas, tu prends celui que tu veux. Je peux pas, en fait. Attends. Ah, mais... Je suis sûr que j'ai même pas mis en deux joueurs. Non, j'ai pas mis en deux joueurs, c'est ça. C'est toi qui contrôle? Je peux contrôler, c'est joueur 2, pourquoi joueur 2? T'as vu que c'est toi le joueur 2? Ah bon, c'est moi joueur 2? Oui. Et toi tu contrôles pas, c'est ça? Oui. Donc en fait on a eu un fail là, c'est ça? Alors attends. Ah non, attends! Non, je contrôlais. Attends, si. Appuie sur start. C'est où? Start. Le plus? Non? Y'a rien? Attends, non, tu peux pas appuyer sur start, sur plus, ou truc comme ça? Non. Bon d'accord, bon bah c'est un fail, on va... Mais je peux pas sortir? Non. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas sortir. Je peux pas sortir. Mais c'est quoi? C'est quoi ce truc de merde? Faut que tu meurs et faut qu'on passe tous les combats. Quoi? Quoi? C'est quoi? Non, c'est quoi la blague là? Non, non. Bon, eh ben, alors, je vais faire une coupure et on se retrouve après parce que là, on s'est payé un big fail. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. On a que ça à foutre pendant les chargements. Ouais, bon ben on se retrouve. On vient de se rendre compte que c'était pas possible de jouer à deux, de jouer à deux avec 3 personnes dans un tournoi. Comme ça c'est impossible parce que il faut 3 manettes. Lui il pensait l'avoir déjà fait, donc c'est peut-être possible. Mais apparemment non. Ouais. On met tout ça. 16. Ah, mais ouais. Ou on met ça. Ça plutôt, ouais, c'est pas mal. Parce qu'après la vidéo elle dure beaucoup trop longtemps et c'est pas forcément très intéressant. Alors on va se mettre de vie, voilà.
On va choisir quand même notre personnage de départ. Vas-y, à toi. Voilà, et c'est bon ? C'est parti. Au hasard. Et voilà. Alors là, oh, t'es juste après, c'est dommage. Parce qu'on peut pas se retrouver en finale. Je vais prendre Donkey Kong là. Bah voilà, oui, oui. Non, Lucario. Tu dois prendre Lucario. Ouais, mais en rouge. Et c'est parti, attention. Super. Alors on s'est pas entraîné. Super. Donc là, moi, il faut pas que je perde si je veux pouvoir emmener mon personnage jusqu'à, à, ouais, jusqu'à la fin. Je vais jamais tester ce personnage de merde. Oh putain, ça commence bien. J'avoue. Oh. Attends, en plus, t'as vu le terrain de merde qu'il y a. J'ai vu. Oh non. Mais j'aime pas ce terrain en fait. Il est... Ouais, mais. Bah, ce qu'il y a, c'est que tu meurs très facilement quoi. Merci pour la Max Thomas. Ouf, comment on fait les roulades déjà? On va sortir de l'écran bientôt. Ouais, comment on fait les roulades déjà? Bah c'est tu... Ah bah mais je sais pas moi avec la Wiimote, toi tu joues avec la Wiimote. Ah ouais. C'est moi qui... Ah non, c'est toi qui a eu. Ouais. Putain, ouais, ça a combien de temps? Oh putain, j'ai failli crever. Tu peux me laisser s'il te plaît? Non, je te le laisserai pas. Oh, tu me laisses tous en deux là. C'est moi qui vais les avoir. Oh, c'est pas de la triche. Oh oui. Bon, une vie en moins. Non, mais là, je suis obligé de faire le four. Je suis désolé, je suis obligé de pas le faire à la loyale. Oh, non, pas ça. Oh si, alors là, si je l'ai, là. Oh oui. Attention. Oh, bah voilà. Ça y est, c'est fini. J'ai vraiment été fourbe pour ce combat. Je l'avoue. Mais je ferai tout pour sauver mon personnage. Ça y est, me revoilà qui stresse là. Quand on fait une vidéo, c'est pas pareil. Hein. J'ai pas envie de me chercher des excuses, mais... Bon, maintenant, c'est à toi hein, de sauver ton personnage, là. Ouais. Oh non, oh, il y a la bonne chanson, écoute la chanson. Ah oui. Attends, mais c'est pas un de nos circuits, ça? Ouais. Peut-être. Si, c'est... Attends, non, parce qu'en fait on a fait, comme je vous avais montré dans la, foot, dans la présentation, si c'est le foot celui-là, comme ça au moins ouais, les, oui, le foot. Les ballons tombaient directement dans le vide. Non, c'est toi qui dois venir le chercher là. Attends, je vais essayer de retrouver les roulades. Vas-y, retrouve tes touches. C'est avec Z, regarde, c'est comme ça, c'est ça la roulade. Ok, bon bah maintenant que t'as retrouvé. Oui, bombe intelligente. Ah, bombe intelligente, voilà, je cherche. Alors ça c'est marrant ça. Bah oui, parce que c'est moi qui la lance et c'est moi qui me la ramasse aussi, donc aussi bien. Bon, je fais n'importe quoi là. Ah, j'ai pas envie d'être trop méchant. Attends. Elle est pourrie ta boss. Tu veux voir si elle est pourrie? Ouais, aïe. Allez. Oh oui. Elle est pourrie ta boss. Et oui, ça passe à travers les murs. Voilà. Allez, donnez-moi des maxi tomates. Ça c'est bon ça. Oh non, il l'a eu. Moi j'ai eu qu'un petit carré de chocolat. C'est déjà assez gros. Ouais, c'est vrai. Ah mais faut que t'essayes de garder ton personnage jusqu'à la fin. Peut-être t'y arrives. Non mais de toute façon en fait, on remarque un truc, c'est que plus on stresse, moins on y arrive. Bon, mais apparemment lui ça va. Tu vas m'avoir à la fourbe aussi? Merde, le con. Ouf, heureusement qu'il a pas atterri tout de suite, mon personnage. Ouais, j'essaie de te tuer au moins une vie. Allez, je me laisserai plus faire, là. Là, je suis sérieux, là. Recule. Dégage. Ah, t'as du mal, hein. Ouais, c'est sûr qu'on est pas chaud, là. Ouf. Marthe, il a la particularité d'être assez rapide. Oh non, le cul. Oh non. Bon, on est presque à égalité là. T'es sûr que tu veux venir là? Non. Merde, le... Alors là, t'as vraiment eu de la chance. Hein. Mais des fois, ces marteaux là, c'est des faux quand même. Parce que des fois, on perd le bout et. Je crois que j'en avais déjà parlé. Y a pas une entrée, non, franchement, j'ai pas envie d'être méchant. Je vais la faire ici. Comme ça, je vais avoir des objets pour moi. Voilà. Pourquoi c'est en fonction des pourcents?
Je sais pas ça d'ailleurs. Pourquoi des fois ça varie les objets qu'il y a dans la marmite de Kirby? Mais t'as peut-être raison. Mais j'arrive pas là, je crois. Ah bah c'est normal. Non, je te ronge dessus. Bon, vas-y, allez, tape-moi un peu. J'arrive pas. Mais en fait, toi, t'as la particularité d'être fort. Mais surtout quand tu es échauffé. Ça. Donc là, peut-être que je m'amuse, mais après, ce sera pas pareil, je crois. Tiens, 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 tiens. Alors ça, c'est vraiment la technique de fourbe aussi. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on est tous les deux des personnages qui font pas des trop gros coups, donc on fait que se mettre des pourcentages presque. Ah, là j'ai mal. Ah, attends, j'arrive. Il y a une petite tomate. Ouh, j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir l'avoir. Hein. Ça, c'est pas mal aussi, ça se colle. Allez, tiens, merde, mal posé. Ça se pose. Ouf. Ah, mais ce terrain-là est pas génial parce que. Ah, toi, tu peux pas remonter par là, toi. Non, tu veux essayer. Non, parce que sinon, tu vas crever. Il y a une vignette, si tu veux. Ah, bah voilà. Oh non, mais c'est pas vrai. Même pas. Bon, allez, tue-moi là. Voilà. Attends. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas été trop méchant comme ça, t'as le temps de te chauffer. Mais après, t'as Sonic. Ah, mais oui, mais celui avec lequel je me défonce, c'est Sonic, oui, ça c'est sûr. Lui avec lui, je me défoncerai. Okay. Mais là, par contre, maintenant que c'est pas ton personnage, du coup, j'ai plus le choix maintenant que t'as pris Donkey Kong. Je vais prendre Snake. J'aime pas Snake. Bah, en fait, Snake. Il faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut savoir l'utiliser parce qu'en fait. To the night. Oh, non. Putain, par contre, on tombe sur des. Ouais, c'est ça, on aurait dû. Dire qu'on voulait que des niveaux officiels. Enfin, je sais pas si c'est possible ça d'ailleurs. Ouais, alors Snake, en fait, quand on n'a pas l'habitude de le manier, c'est très compliqué. Non, mais il est puissant, je viens de remarquer. Mais après, ça devient c'est... Ah oui, il est puissant. Ça devient bien pratique après. Bon, alors, Donkey Kong, qu'est-ce que tu fais là? Bon, faut dire qu'il est pas très rapide non plus, Donkey Kong. Hein. Moi, ce que j'essaye souvent. Quand je fais des matchs comme ça, c'est de bien prendre. Enfin, je prends toujours au hasard presque. Et donc, du coup, j'ai eu l'habitude de me faire à chacun des personnages. Allez, tiens. Ouf. Heureusement qu'il y avait la plaque là. Bah alors, t'arrives pas à choper. C'est lui qui me l'envoie, c'est toi. C'est moi. Putain. Ah, tu manies bien les protections, hein. Merci. Peut-être que j'arrête de m'amuser, là, non? Ouf. Oh non, pas ça. Tiens, ta gueule. Ouf. Aïe, ça, c'est chiant, ça. Tiens. Oh, pas mal, ça. Tu l'as pas eu. Je te le laisserai pas. Oh oui, ça, c'est beau. Oh, heureusement qu'il fait pas trop mal. Hein. Voilà, ah merde. Fini. Ça va. J'ai jamais vu cet habit qu'il a. Ah ouais, tiens. Hein, tu le dis. On dirait une tenue léopard en fait. Roi d'Adidou. Bon, tu veux prendre qui? D'Adidou. Bon, bah allez, prends ton roi d'Adidou. Mais je l'aime pas. Bah en fait, il est puissant, mais. Putain, il y a des mondes de mêlée et de. Ouais. Il faudrait un non, bon. C'est Wolf. Ouais, c'est Wolf. Il faudrait un bon. Un bon ça terrain. Se passe, là. Comme le temple. Comme le temple. C'est ça. Putain, je lance des trucs avec Joe. Comme... ouais, mais franchement, comme il est rapide, tiens, ça va être chaud. Et ouais. Mais en fait, il faut savoir. Quand on a un personnage soit fort, soit rapide, il faut savoir faire un compromis entre les deux. C'est soit t'essayes de l'avoir avec des attaques fortes, en espérant qu'il va dégager, soit t'as un petit un peu comme moi et t'essayes de foutre pas mal de pourcents pour essayer qu'il dégage. Comment t'as pu faire tomber la... D'accord. Ah,
Il y avait une bombe. Ouais, ouais, on a tout explosé. Mais non. Bon, bah voilà. Alors ça, c'est la technique à pas faire avec 3D Didou, c'est de faire en haut plus B au-dessus d'un vide. T'aurais pas pu me le dire avant. Oh, mais je pensais que tu le savais. Bon, et ça y est, le grand combat, là. C'était marrant qu'on échange. Bon, bah écoute, je te souhaite bonne chance. Derrière ce vieux niveau. Ah ouais, ça fait chier ça. Bon, c'est pas grave. On sera tombé sur des niveaux de merde. Voilà, concentration. J'ai l'habitude dans un mode Marthe. J'ai beaucoup joué contre quelqu'un qui le prenait tout le temps. Oh putain, là j'ai fait de la merde. C'est vrai. Ouh, alors là. Allez, prise de catch. Pas le niveau. Ah non. Ouf. Oh mais cela, là ça y est, là il est chaud là. Là il va bien se débrouiller. Est-ce que je refais le fourbe? Ouais, si, faut tout tenter. Hein. Faut tout tenter. Et ben je tente tout. C'est pas mort. Si. Ça traverse les... Non, ça traverse pas, mais là t'as pas eu de chance en gros. Ralenti. Oh, il a réussi à m'avoir si c'est pas du bien joué. Allez, mettre des pourcents, c'est plus important, mais il réussit à se défendre quand même. Hein. Allez, je vais éviter de faire four. Allez, viens là, piégé. Non, je vais me protéger. Oh, bien joué. Pourquoi j'arrive pas à la finir dans l'attaque? Parce qu'il faut, il faut que tu me touches, je crois. Tiens, un peu de curry dans la gueule, ça fait du bien ça. Non, elle est où? Non, ça c'est de la triche. Je peux l'avoir facile avec ton curry. Non. Je veux pas que tu l'aies. Oh non, tu l'as eu. Non. Non. Oh là. 53% de... Oh, mais tu sais, ça veut rien dire. Des fois, on peut revenir vraiment... En plus, ouais, c'est... Tu sais, une petite explosion par-ci, par-là... Ouf. Voilà, ça se concentre là. J'essaie d'enchaîner. Ah, ça va, là je me débrouille bien. Oh, ça c'est bien joué. Ah, je déteste ces genres d'attaques. Ah non, je suis mort. Parce que j'ai fallu en plus. Ah ouais. Et je me suis... Ah, ça c'est fatal. Ouais. Bien joué, tu t'es bien débrouillé. J'ai eu peur, j'ai le cœur qui palpite. Mais tu peux encore te venger, hein. C'est encore possible. Tu peux. Si, tu peux. Attends, ça dépend. Avec Wolf. Ça dépend qui c'est que tu auras, ouais. Wolf ou l'autre. Mais attends, on va voir. Ben. Snake. Wolf ou Snake. Je vais essayer de prendre celui. Non, c'est bon. Attends, mais moi, c'est-à-dire que j'ai eu les deux, donc... Bah allez, je reprends Snake. C'est quoi ce niveau? Bah, c'est que des niveaux pourris, comme depuis le début. Je crois que t'es habitué, non? J'arrive même pas à voir sur quoi je peux monter, sur quoi je peux descendre. Bah, sur les feuilles. Et étonnamment, sur les espèces de bois, parfois. Mais... Allez, Pokéball, go! Non, j'ai fait tomber. Ouah, wow, y'a de l'ambiance dans ce niveau! Mais j'aime pas ce niveau, j'ai jamais fait. Donc, si tu tombes dans l'eau, je suppose que tu. Je crois que tu peux nager un petit peu, mais alors je te conseille de pas tenter parce que j'en suis pas sûr du tout. Et là, je suis en train de me faire ramasser comme un bleu. J'ai quoi? Ah, j'avais une peau de banane, ça c'est. Ça va carrément m'aider, oui. Oh là là, mais dis donc, tu débrouilles comme un chef là. Hey, it's showtime! La première personne, non, c'est pas la première personne. Oh, c'est de la triche, ils utilisent les balles smash. Oui, je les utilise, oui. Trop de fois on m'a dit de d'arrêter d'utiliser les balles smash parce que c'était de la triche. Et c'est comme ça que je perdais. Mais je suis désolé. Prendre la balle smash, c'est quand même aussi... ça fait partie du jeu, en fait, finalement. Hein, parce que c'est à celui qui réussira à la choper. Oh non, pas ça. Mais non, elle pue pas la merde, regarde. D'accord. Bon, bah, t'as testé le truc qu'il fallait pas.
Voilà, je trouve que je gagne un peu facilement. C'est que t'es pas chaud, on va mettre l'excuse là-dessus. Bon, non, non. C'est pour moi celui-là. Oh. Bon. Parti pour la finale. Alors si je perds maintenant, ça ferait chier. Hein. Bon, bah, on n'aura pas fait un seul niveau de. Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as fait à... Je sais pas, je le teste. Tu l'as fait à distance? Je sais pas, non, je le teste en fait. Et t'exploses pas là? Non. Je crois que tu peux exploser avec tes bombes, hein, ah, pourtant. Ouais, bon, allez, faut que je joue sur la vitesse. Ouais, parce que le temps que je fais mon attaque. Ouais, c'est ça. On fait la même chose. Putain. Oh là là. Là, on est concentré là. Ah mais c'est pas marrant là, combat à distance. Tiens bah voilà, tu t'es pris ta bombe. Putain, il s'est pas protégé. Tiens, comment tu me l'as chopé toi? Et tiens, un coup d'éventail dans la gueule. Non, j'arrête, je le fais pas trop longtemps parce que sinon après c'est fourbe. Oh non, Ronflex. Vite, vite. Oh, c'est chaud là. C'est chaud. Dégage. Ouh là là. Tiens. Oh. C'est qu'il est bon, hein. C'est qu'il est bon. Non, tu l'auras pas celui-là. Merde, merde, merde. Ah bah bravo, là. Bon, je te finis, hein. Je suis désolé, hein. Je suis obligé. Oh, raté. Oh là 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 là. Ça relance tout. Il faut jamais être trop sûr de soi, en fait. Hein. Voilà, je fais gaffe, c'est des bombes. Oh, de la nourriture. Ouais, mais en plus, quand il fait cette attaque, il est vachement vulnérable. Ouf, parce que là, c'est là où je peux t'avoir, justement. Tiens, reviens pas. Putain, bon ben, tu fais quoi maintenant? Oh oui, le bug! On aura eu droit à un magnifique bug avant de terminer. C'est pas facile d'en trouver dans le jeu. Bon. Impression sur ces combats. Voilà, voilà. On a eu l'impression, la belle impression. Comme quoi, ben t'étais pas chaud en fait finalement. Dommage. Mais tu pourras prendre ta revanche hein, si tu veux. D'ailleurs, je pense notamment à un jeu que nous aurions voulu faire, mais que ça, c'est pas possible du coup. C'est Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Et là, par contre, quand on fera cette vidéo-là, je pense qu'on la fera un jour. Vous verrez pas le même résultat à l'écran, hein, ça c'est sûr. Mais bon, là, on s'est dit, après avoir fait ce... Attends, démarrer à nouveau... Non, quittez. Après avoir fait ce... Bah, ces combats l'un contre l'autre, et avoir instauré quelques tensions là, on s'est dit que ce serait bien de faire un petit combat tranquille, si tu as encore envie. Ouais. Allez, alors comme ça, on va se battre à deux, mais cette fois-ci en équipe. Donc on prend quoi? On prend nos persos? Ouais. Bon allez, on prend nos persos. Moi je me... Attends, mais non, non. J'ai fait le con. Alors, on va se mettre l'un avec l'autre en blue, c'est ça? Et puis, on va les mettre au niveau 9. Alors, on va voir ce qu'on... Pas beaucoup, hein. Parce ouais. Que là, en comptant la coupure, ça 24. Fait 24 minutes de vidéo. Alors, on va faire genre une vidéo d'une demi-heure. Donc, 4 vies, allez, ça suffit. Donc, comme en équipe, c'est bon. Et dans le temple, oui, exact. Alors le temple il est bien. Attends, oui, c'est dans Melee. Le temple il est bien parce que c'est un
Enfin, il est bien pour jouer celui qui veut plutôt se planquer, en fait, hein, parce que là... Bon, généralement, j'aime pas faire ça, j'aime pas me planquer, donc là, on va les attaquer. Mais c'est un bon niveau pour faire... Pour ceux presque même qui ont pas l'habitude de jouer, comme ça ils se cachent, ils laissent les autres se battre, perdent des vies, et comme ça au moins, ils résistent. Ness, c'est mort. Bien, bravo. On dirait pas que c'est niveau 9, mais... Ouais, pas pour le moment, mais quoique, vaut mieux pas dire ça, parce que là, je me fais éclater. Pas sur le coup, tu seras peut-être meilleur ici. Oh, tu les enchaînes, hein. Voilà, c'est un petit peu le bordel. Ouais. Alors ce jeu, c'est vrai que quand on le connaît pas bien, on est vite perdu au début. Reste avec nous, Marthe. C'est un petit peu un objet qui sert un petit peu à rien quand même. Plus à faire chier qu'autre chose en fait finalement. On est Ness qui ramasse les mains. L'autre. Ouais, je crois qu'on va avoir plus de mal contre lui. Ouais. Mais combien de pourcents? Il a 75%. Ouh bah moi j'ai atteint la barre des 100% là. Et il me fait chier, c'est vrai là. Je vais essayer de me venger là. Tiens, on n'a pas eu assez. Il vole. Ah non, il est trop nul. Oh, il s'en fout. Oui. Ça c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient ça. Et en fait, j'ai découvert qu'avec certains personnages qui planaient, notamment avec Meta Knight ou... Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Attends, j'arrive là. Tiens. Attendez, je finis ma phrase après là, parce que là, ça m'a pas plu là. Putain. Ouais, vas-y, aide-moi là. Faut lui mettre sa pâtée là. Faut pas que je crève avant qu'il meure. Okay. Ouh là 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 là. Tiens! Et tiens! Non, il s'est protégé. Et merde, je suis mort. C'est pas grave. Mais bon, ah non, merde! Putain, il a pas 50%. Mais il a combien de pourcents? 155, on n'arrive pas à le. Non, mais c'est quoi ça? Tiens! Voilà. Alors, donc, oui, je disais, Meta Knight ou Pete ou n'importe quel autre qui plane, je sais pas qui d'autre d'ailleurs. Non, je crois pas. Et ben en fait, quand on laisse appuyer sur la touche de saut, il plane. Ils font ça, donc ils font ce qu'a fait Pete tout à l'heure et Meta Knight qui plane tout simplement. Et ça, c'est un mouvement que je connaissais pas. Et donc, ça montre à quel point c'est vraiment très diversifié au niveau des touches. Notamment, enfin, et, en plus, c'est que deux touches. Hein. Si tu regardes bien, on a que le A et le B. Et bah, ben, rien qu'avec ça, on peut faire énormément de choses. Bon, on cède bien sûr des joysticks analogiques pour. Voilà, pour les enchaînements, pour les coups préparés. Je sais pas qu'on appelle ça, les coups que tu charges, les coups chargés, quoi. Bon, on se le fait, ce pit, là. Voilà. Ness, il lui reste plus qu'une vie, non? Ouais, il me semble. Bon, vas-y, gèle-le. Ah, non, c'est qui là? Vas-y. Oh, dommage. Il était trop petit. ça a peut-être un avantage, aussi, d'être petit dans ce jeu. Bon, tu sais, t'as des fois des personnages qui tapent en hauteur et du coup... Backmash. Ah, moi bon, j'essaie de la récupérer. T'as pas que ce soit Pete. Ah ouais, parce que lui il envoie plein de... Yes. Et là je vais faire ce que j'adore faire. Genre je fais genre de me suicider et la dernière minute je remonte. Et je fais n'importe quoi. Là ils esquivent, alors ça c'est... Putain, ils arrivent bien à esquiver, hein. Allez. C'est fini, toi! Non, je vais pas réussir à l'avoir, j'ai pas réussi, hein! Tant de la vie! Merci! Oh, quel travail d'équipe! Ah, je préfère quand même me battre en équipe, hein. C'est plus convivial, c'est plus marrant. Allez, finis-le, lui, à 184%. J'aimerais bien. Voilà! Allez, plus qu'une vie, là on va s'acharner sur lui! Voilà. Oh, s'il avait pas été. Transparent, je l'aurais eu. Allez, vas-y, c'est de l'avoir là. Allez, finis-le. Allez, pour l'honneur. Mais c'est... Attention. Quoi, ce ralenti ? Concentration. Quand il va remonter, viens là, petit. Allez, faut que tu montes par l'autre côté. Ou vas-y, là. Vas-y.
Hop, non. Oh, raté. Putain, c'est foiré. Je vais t'as laissé. Non, non, c'est pas grave, moi je l'ai eu déjà. On va essayer de le battre à la loyale, d'accord. Pff, mais moi je me ramasse un tonneau dans la gueule. Il y a un truc aussi qui je ne sens pas avoir parlé, c'est un tout petit détail, hein, mais qui a dans celui-là et qui avait pas dans Melee, c'est que des fois les personnages ils glissent et ils se cassent la gueule. On court et ils se cassent la gueule, donc ça c'est, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, fini. Qui aura la couronne ? Bon, et ben voilà, 30 minutes normalement la vidéo. La couronne. Et la couronne, elle est à moi. Ouais, 5 chacun. Hein. Et toi, vas-y, appuie sur B, enfin appuie sur B, sur 3. Et moi 5, ouais. Ah oui, 8, et ce... Bon bah voilà. Bon, et ben j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo tranquille. Enfin tranquille, moi j'ai quand même pas mal stressé. Voilà, c'était déjà une vidéo qu'on avait prévue depuis un bon moment de faire. Et voilà, bon. Et bien, j'espère que tu t'es éclaté. Même ouais. Même si tu t'es fait éclater, on va dire. Bon allez. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo, retournez bien à vos occupations et ciao à tous. Oliver, l'éternel.